Jumbo, c'est Ulysse. Je suis toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde et de montrer que tout peut s'apprendre. Dans le dernier épisode, on était à Zanzibar, un archipel au large de la Tanzanie. Il y a quelques jours, j'ai pris un bateau pour rejoindre Dar es Salaam, qui est une grande ville sur la côte. Et hier, j'avais 5 heures de bus pour rejoindre Morogoro. Et qui dit 5 heures de bus, dit opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Et donc l'objectif que j'aimerais atteindre, c'est d'être capable, quand on me montre un drapeau, de citer et le pays et la capitale. Et la boucle sera bouclée! Sérieux, c'est quoi le risque de se garer ici? Bon, hier dans le bus, je pense que j'ai bossé à peu près 3 heures les capitales et j'en ai appris environ 80%. Et je me suis refait un petit test évidemment avant de me coucher, très important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais le sommeil, il a un effet de fou sur le fait d'apprendre. En fait, il joue deux rôles. Le premier, c'est de nettoyer toutes les neurotoxines que vous avez accumulées lors d'une dure journée de réflexion et d'apprentissage. Donc c'est vraiment, voilà, il se met en mode je passe le balai quoi. Le second que je trouve complètement ouf, c'est que le cerveau s'arrête, oublier tout ce qui n'était pas important. Donc en réalité, dormir, c'est pour oublier et c'est pour ensuite pouvoir se focaliser sur ce qui est important et pour pouvoir ça l'assimiler à fond. Ouais, moi je trouve ça complètement ouf. Aujourd'hui, je pense qu'on va profiter de cet endroit qui est vraiment calme et agréable pour recharger les batteries, se faire masser, écrire, terminer d'apprendre les capitales. Et oui, ça va pas se faire tout seul. Et demain, c'est mission safari. On va essayer de négocier ça là, en ville aujourd'hui, et de vous emmener voir des girafes. Bah ouais, parce qu'on les a pas, maintenant serait temps d'aller les voir pour de vrai. Yeah. Bon, Ulysse, ça va, les voisins sont pas trop bruyants. Y'a un coq encore. Anti-moustique, donne. Ok, le forfait de téléphone, donne. C'est bon, le safari est organisé, départ demain à 6h, ça promet d'être ouf. Mais avant ça, il faut qu'on se termine les capitales. Bon, il est 6h du matin, le safari nous attend et je me fais attaquer par une bête. Wouah. Le deal est donc, on va partir pour notre safari. Bon, finalement, hier, j'ai pas appris de nouvelle capitale, j'ai plutôt passé du temps à réviser celle que j'avais déjà apprise. Je pense qu'il me reste à peu près 20% à maîtriser. Ah, le retour du coq. Allez, cette journée promet d'être incroyable, c'est parti. Ulysse, tu me donnerais pas une capitale, je sais pas, celle de l'Éthiopie par exemple? Addis Abeba. Bien joué. Une autre? Somalie? Mogadiscio. On vient de crever, au passage, je sais pas si t'as entendu le chauffeur. Oh merde! Ça y est, on est à l'entrée du parc. Ouais. On arrive, bienvenue dans notre nouvelle maison. Capitale du Burundi. Gitega. Une autre? Capitale du Cameroun. Yaoundé. Costa Rica. San José. Une à gauche là. Là-bas il joue. C'est incroyable. Capitale. Capitale du Botswana. Gaborone. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Je les aime, les girafes. Capitale du Suriname. Paramaribo. Capitale du monde. La lune. Je suis si heureux d'en voir une de si près. C'est tellement mon animal préféré. Waouh. C'est quoi la capitale du Bénin? Porto Novo. Togo. Lomé. La capitale de la Guinée-Bissau. Bissau. On a retrouvé Gigi. Oh, avec les petits oiseaux sur son dos. C'est vraiment incroyable comment les décors changent à chaque fois. Ça, c'est du arbre. Ça, c'est du baobab. Capitale du Sri Lanka. Sri Jayawardhan pour à côté. Alors Julia, c'est comment pour descendre maintenant? Bon, les amis, dans les safaris, il y a aussi des difficultés de ce genre. Capitale? Melekeok. Dakar. Ah, pas de répit, hein. Safari, dans tes cas, il y a tout un troupeau de gnous et tout un troupeau d'impala devant nos yeux. Jakarta. Oh, ça, oh, ils partent encore, c'est magnifique. Manille. Bon les amis, quelle aventure! On aura pris plein les yeux hein, aujourd'hui. Désolé de vous avoir saoulé avec mes capitales, mais bon, faut bien que je les révise aussi. Il me reste au niveau extraterrestre à plier là sur l'application que vous connaissez si vous avez déjà vu le challenge sur les drapeaux. Et puis peut-être que je ferai un petit live sur Instagram pour que vous puissiez me tester. Ça peut être marrant comme format. Et sinon demain, bah, de nouvelles aventures encore! Allez, si on a un peu de chance, on croisera encore avant d'arriver. Nazi Popotam. Les amis, je sais pas si vous voyez, mais on est juste en face d'un lion. Les amis, jour 2,
Les 6h du matin, là, j'ai pas les yeux en face des trous, mais on vient tout juste de partir, on a vu des éléphants, des girafes. Et donc au programme, petite balade ce matin avec le lever du soleil, ensuite petit déj, ensuite on ira visiter un village Maasai, et après retour à Morogoro. Dans la voiture pour Morogoro, je passerai le test pour voir si je me souviens bien de toutes les capitales. C'est quoi la capitale de la Somalie d'ailleurs? Mogadiscio. Mais on l'a déjà dit hier ça, je crois. Ouais. Ok, bah le bouton. Le bouton. Le bouton. Le bouton. Ah, Tifou. D'ailleurs, petite anecdote, sur le drapeau du bouton, le grand dragon, c'est un drouk. Tu feras gaffe, t'as une bande d'hippopotame juste derrière toi. Ça va, t'es sereine, Julia? Ça va. Est-ce que c'est beau encore? C'est incroyable. On a été amené dans un village Maasai, il y a toute une famille qui vit ici, dans le village, ils sont une cinquantaine, on a rencontré le patriarche qui a 22 enfants et 5 femmes, et ils vont nous montrer 2-3 trucs, ils vont apprendre à faire du feu. J'ai rien demandé, hein. C'est eux qui ont voulu m'habiller comme ça. Hein. Je suis avec mon crew. Hello. Il est né ce matin. Entre 13 et 18 ans vient un moment où il faut passer cette porte et tu la passes comme un enfant, un garçon et tu ressors là-bas comme un homme et après tu dois aller survivre pendant 3 mois dans la forêt. Bon alors les gars, si vous voulez impressionner les filles en tuant un lion, comment ça marche? Vous attendez qu'il vous court dessus, vous l'esquivez et ensuite avec la lance, bim! Voilà, c'était un petit tuto, c'est cadeau. Juste comme ça, il nous a lâché une petite bombe, c'est que son père, lui, il en a déjà tué 3 des lions. Voilà. Just saying. On va pas les embêter. Oh, il s'est fait mal à la patte. Voilà, si vous voulez avoir l'attention des enfants, il suffit de sortir un drone. Ils vont nous apprendre à faire du feu. Incroyable. Nice. Wow. Wow. Terminé, c'était complètement fou. On avait un peu peur de la trappe touriste, en fait non, c'était vraiment un truc local. On a vraiment pris le temps, il n'y avait pas de programme, on a passé du temps là-bas, on a pu jouer avec les enfants, s'amuser, enfin c'était vraiment ouf. Là on change de voiture, on mange et ensuite direction Morogoro et on essaiera de passer le test pour les capitales et je pense que ça fera déjà un sacré épisode pour ce challenge haut en émotion. Allez, à tout de suite. C'est bon les amis, c'est validé. J'étais très très concentré mais j'ai pu ressortir toutes les capitales en cliquant sur tous les bons drapeaux. Je m'amuserai peut-être à faire un petit live Instagram dans 2-3 jours pour pouvoir les re-réviser avec vous. Et voilà, bah ça y est, on connaît tous les drapeaux, toutes les capitales. On a fait un safari, on a rencontré des Maasai. Quelle aventure. Après s'être longuement perdu dans les petites routes, nous avons trouvé ces sources d'eau chaude incroyables. Et alors là, au niveau de mes pieds, je suis en train de me faire bouffer par plein de petits poissons. Ouais. Dites-nous si on a juste un session. Madagascar. Corée du Nord d'abord. Corée du Nord, Pyongyang. Ouais, Madagascar, c'est Antananarivo. Et hop, la téléportation à Johannesburg. Si ce challenge vous a plu, checkez la newsletter, elle est en description. J'ai partagé plein de facts sur les capitales et aussi toutes mes méthodes pour retenir efficacement et dans le temps toutes ces informations-là. Je vous donne d'ailleurs quelques exemples sur comment est-ce que j'ai construit des images mentales. Donc checkez ça en description, vous allez voir, c'est cool. Et puis si vous ouvrez jamais vos mails, et ben vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, et je vous propose de se dire à bientôt pour un nouveau challenge en Afrique du Sud. Yeah!